L'apnée du sommeil est une maladie caractérisée par des arrêts respiratoires au cours du sommeil qui sont provoqués par un obstacle au niveau de la gorge des voies aériennes supérieures. C'est une maladie qui entraîne des chutes d'oxygène répétées au cours de la nuit qui vont impacter sur le cerveau et les autres organes. Et en général, le sujet n'est pas du tout conscient de ces anomalies puisqu'il dort pendant toute la durée. C'est une maladie très fréquente puisqu'elle touche environ 5% de la population, ce qui représente en France environ 3 millions de patients. Et on sait que beaucoup de ces patients ne sont pas détectés puisque 85% de la population ignore sa maladie. C'est une maladie qui touche principalement les sujets obèses ou en surpoids, mais pas seulement. Et c'est une maladie qui va parfois se révéler par des complications d'ordre cardiovasculaire en particulier. Alors, les personnes à risque sont en général des sujets qui sont obèses ou en surpoids, mais ça peut survenir chez des personnes ayant aussi des anomalies de la face ou de la gorge qui ne sont pas toujours évidentes. Ce sont des personnes aussi qui vont avoir des complications d'ordre cardiovasculaire, une maladie coronarienne, trouble du rythme cardiaque ou qui ont fait un accident vasculaire cérébral. C'est une maladie facile à reconnaître devant l'existence d'un ronflement régulier et fréquent au cours de la nuit qui va gêner le conjoint, qui aura pu d'ailleurs remarquer aussi des arrêts respiratoires. Le malade le matin n'est pas reposé, son sommeil n'est pas réparateur et dans la journée, il a tendance à s'endormir de manière inopinée. Il peut y avoir également des complications qui révèlent la maladie, comme l'hypertension, l'accident vasculaire ou le diabète. Alors, le diagnostic repose sur les plaintes du patient qui peuvent être relevées sur un questionnaire, sur un examen de sommeil qui s'appelle une polygraphie qui est réalisée à domicile mais plus souvent à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle, en raison des délais d'attente de ces examens, il est important d'avoir des tests qui permettent d'obtenir par des objets connectés un dépistage de la maladie et c'est l'intérêt du Sleep Analyzer qui va permettre de faciliter ce dépistage. En dehors de la perte de poids, donc qui peut guérir la maladie chez les obèses, les traitements sont palliatifs. Ils consistent à essayer de lever l'obstacle par une pression positive envoyée par un masque nasal qui va élargir la gorge afin d'éviter l'obstruction, ou bien l'utilisation d'un appareil dentaire, une orthèse d'avancement qui va déplacer la mâchoire inférieure vers l'avant afin de faire de la place dans la gorge. Il faut savoir qu'il n'y a pas de médicaments disponibles actuellement pour cette maladie. Si le Sleep Analyzer donne des résultats normaux, il faut remplir sur l'application de Weezings le questionnaire de sommeil et apporter les résultats du questionnaire et du Sleep Analyzer à son médecin pour obtenir un examen diagnostique par une polygraphie.